Le tournage le plus fou, ça a été. Des dernières années, ça a été Je suis mort, mais j'ai des amis. Ça a été vraiment un super tournage. Parce qu'on était. Parce que c'est déjà c'est avec les frères Malandrin, parce que c'est avec Wim, avec tous les vieux amis. Et puis que quand on est parti au Québec, dans la réserve indienne, dans le nord, on était avant toute petite équipe. Mais vraiment toute petite. On était 12 avec les comédiens. Donc on logeait tous dans un chalet, parce qu'on était dans une réserve indienne au nord du Labrador. Il n'y avait pas d'infrastructure touristique, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de route, puisqu'il fallait y aller en train, mais en cas de coup dur, partir en avion, mais il n'y avait aucune route qui menait là. Et donc on était super autarcique en fait. Tout le monde faisait tout, la régie, la bouffe, tout ça, et c'était super comme expérience, c'était très drôle. Ça, c'était très chouette comme tournage. Et puis après, sinon le tournage le plus fou que j'ai fait, je pense que c'est Atomic Circus, le retour de James Bataille. Un tournage le plus fou ne fait pas systématiquement le meilleur film, hein, mais en tout cas c'est celui dont on garde le meilleur souvenir. Et je crois que le meilleur souvenir de tournage que j'ai, c'est celui-là, Atomic Circus. Avec les frères Poirot, avec Benoît, avec Jason Fleming, avec Vanessa Paradis déjà aussi. À l'époque, c'est là que j'ai rencontré. Et ça, c'était vraiment bien.